Beaucoup de femmes issues de milieux vulnérables font face à la pauvreté, la solitude et la dépression. Pour faire face à ces problèmes, l'ONG Red Hawk a trouvé une solution, former les femmes à la broderie, un moyen d'encourager leur créativité et de créer du lien. Nous avons commencé de zéro avec elles, nous les avons formées petit à petit, et certaines des bénéficiaires ont commencé à vendre leur production toutes seules, en créant leur page sur les réseaux sociaux. Nous ne leur apprenons pas juste à broder, nous leur enseignons la couture, à lire et à écrire. Beaucoup de femmes y ont trouvé le moyen de s'exprimer, mais aussi de générer des revenus pour elles et pour leur famille. Plusieurs femmes commencent à me commander des cadeaux pour des fiançailles, des tableaux, des coussins et d'autres choses. Ça me permet de travailler, soutenir ma famille et mes enfants. Les sessions de broderie constituent un moyen d'évacuer le stress et de sortir, le temps de quelques heures, d'un environnement parfois étouffant. La vie au quotidien est difficile. Ça nous fait beaucoup de bien de sortir de notre environnement, changer d'air. Nous avons beaucoup bénéficié et appris à travers ce programme. Nous sommes exténués psychologiquement avec la situation actuelle, les difficultés de l'exil. Red Hawk nous a organisé des sessions de soutien psychologique qui m'ont fait beaucoup de bien. On a trouvé ainsi un exutoire pour échapper à nos problèmes. L'Organisation internationale de la francophonie, qui finance ce projet, a pu observer la détermination des femmes à améliorer leur quotidien. Alors qu'elles sont lourdement impactées par la crise, la broderie leur a permis de retrouver confiance en elles et en leurs capacités. J'ai tissé ceci pour commencer. Bien sûr, il y a des femmes plus douées que moi. Mais pour cette première année, j'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose.